Quand il s'estompe, mais il part avec son patrimoine. Donc, c'est comme ça que je comprends le départ d'un patriarche qui est considéré comme une bibliothèque qui brûle. D'accord. Et je crois que... Merci. Et on peut se faire une idée de votre réponse. 22 42 54, Monsieur Ndiaye était en ligne. Il est reparti malheureusement. On va passer la parole à Aristide Nkenda. Oui, mais Diop, Diagne, donc on est ensemble aujourd'hui. Ah, on est ensemble. Aristide, Oui, vous bonjour. voyez la question, vous abordez le sujet du même angle que M. Moumar. D'abord, je voulais dire que lorsque on découvre donc cette pensée, c'est dans le tome 1 des mémoires de, je crois, hein, d'Amadou Ampateba, notamment le nom c'est Amkoulel. Alors, et ça sort quand? Ça sort après son décès. C'est une œuvre posthume. Donc, à quel âge? Il avait quel âge à cette époque? On hésite entre 90 et 91 ans. Donc, il était déjà, comme il dit, un patriarche. Alors, à cette époque, Amadou Ampeteba, en lançant, ce n'était pas après sa mort qu'il a lancé, c'est avant sa mort. Mais je crois qu'il voulait surtout interpeller les Africains sur la nécessité de prendre de l'importance de consigner, parce qu'il savait que le monde change, de consigner désormais le savoir dans un support, de sorte à ce que lorsque le vieillard partira, et que ce ne soit pas une bibliothèque qui brûle. Et quand vous regardez bien le parcours d'Amadou Ampateba, vous comprenez que, entre guillemets, c'était un petit rebelle aussi, hein, puisqu'il refuse, par exemple, d'entrer à l'école normale. Et vous voyez bien son parcours, qu'il a fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, il passe 15 ans pour faire des recherches. Je crois que la démarche d'Ampateba, c'était de dire, le monde évolue, faisons attention, il ne faudrait pas qu'on continue de perdre. C'est pour ça qu'il entre dans cette pensée. Il ne faut pas avoir cette pensée au premier degré, à mon avis. Très bien. Alors, Monsieur Diabiga Soro, il est en ligne, il dit ceci. Je pense que cette affirmation n'est plus d'actualité car les réalités d'avant et celles de maintenant ne sont plus pareilles. Avant, le vieillard avait beaucoup de choses à enseigner aux jeunes. De nos jours, ce n'est pas toujours évident. J'ai été très surpris de voir une personne du troisième âge qui ignorait les démarches à suivre pour doter sa propre fille. Ça, c'est une réalité aussi, Diop. Bon. Tous les vieillards ne sont forcément pas bien outillés pour transmettre le savoir. C'est ce qu'il Oui, veut dire. c'est ce que Amadou Ampateba lui-même il a dit. Il a dit que il y a des vieillards de 20 ans et il y a des adolescents de 77 ans. En fait, il a utilisé le terme vieillard parce que vieillard, c'est le fin de cycle de l'apprentissage dans le monde africain. C'est-à-dire que tu as dépassé toutes les étapes d'initiation. Et de la croissance aussi. Voilà, toutes les étapes d'initiation donc qui renferment la poésie, la littérature africaine, la mathématique, tout ça. Parce que déjà, il faut voir que de 0 à 7 ans, on est à l'école de notre mère. C'est-à-dire on ne croit qu'à la parole de notre mère. Et après 14 ans, tu commences à aller être initié. Là, quand tu es initié, c'est tu participe à l'école dans plusieurs peuples mandingues, par exemple, c'est 7 ans où tu participes à l'école de la science, où on t'apprend à manipuler les plantes, à connaître les croyances, à participer à plein de choses. Et après, tu rencontres le monde. Ça aussi, c'est une autre école. Donc, on suppose que quand tu atteins déjà les 50 ans, tu as fini l'université. En fait, africaine. Donc, tu as le potentiel pour prétendre avoir le savoir. C'est pourquoi Amadou Ampateba a utilisé le terme vieillard. Vieillard, c'est la fin des études. Parce qu'il faut faire attention avec le terme vieillard. Par exemple, aussi dans certaines communautés, à partir d'un certain âge, tu pars à la retraite. C'est-à-dire, tu n'es plus productif pour la société et tu n'es la société même te met hors jeu. Et donc, si on fait une fixation sur la citation en disant que vieillard, c'est au-dessus de tout, on se serait trompé. D'accord. Voilà. Alors, chacun a sa petite idée, la connotation et l'essence qu'il donnera peut-être au mot vieillard, parce que sur la toile, les jeunes sont au premier degré hein, sur ce mot-là. On va prendre M. Yeo tout d'abord. Il est à Cocody. Yeo, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, Monsieur Kanté. Non, Merci. c'est pas Yo, c'est Yao. Yao, excusez, hein. Bon, Voilà. voilà, la transmission est déjà d'en haut à ici, ça change déjà. Alors, veuillez nous excuser, mais Yao, monsieur, on vous écoute.
Croyez-vous Voilà, que... oui, je pense que oui, je suis déjà intervenu là, sur votre émission. Et disons que oui, le sujet que vous êtes en train de mener là actuellement est un sujet très important. Et ça va repartir, j'allais dire, voir un peu dans la notion d'afro-pessimisme et afro-optimisme et tout et tout, vous voyez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une sorte de conception. Hein. Le monsieur disait tout à l'heure que le vieillard, c'est quelque chose de péjoratif. Je ne sais pas si Amadou Ampateba l'a dit dans le sens péjoratif. C'est vrai que oui, M. Nkenankeda disait tout à l'heure que c'est dans le cas de Amkoulé, l'enfant Peul, qu'il a dit ça. Mais avant ça, il avait déjà dit ça à une session, je crois, de l'UNESCO sur la transmission des, je crois, des valeurs et tout et tout. Et c'est là où Amadou Ampateba, alors ambassadeur donc, du Mali à l'UNESCO, a dit que véritablement, il y avait peut-être soit des soucis de transmission de la connaissance comme l'a dit Aristide d'un tout à Africain l'heure. À un autre. Par exemple, parce que chez nous, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Entendu qu'il n'y avait pas encore les canaux de transmission de la valeur ou de la connaissance. Mais aujourd'hui, certainement que la chose a dû changer un peu. Si un vieux meurt aujourd'hui, qui n'a pas transmis, c'est parce que lui-même n'a pas voulu assurer la pérennité de la chose. Et donc, si à côté de ça, il y a aussi des jeunes qui ont laissé le vieux mourir sans pour autant avoir appris, c'est parce qu'ils n'ont pas demandé. Vous savez, là où nous sommes, c'est vrai, il y a déjà des groupes culturels et ethniques qui ont déjà la capacité de voir un peu au niveau donc, de leur généalogie, d'où vient le père, d'où vient la mère, de quelle famille, ceci, cela, d'autres pas. Voilà. Et est-ce que, oui, des fois, nous, les jeunes, nous essayons déjà de demander, même si les vieux, ils oublient peut-être de dire, bon, voici là d'où nous venons, voici là où nous partons, est-ce qu'ils essaient de ces jeunes-là, est-ce qu'ils essaient de demander? Voilà la capacité peut-être que nous devrions avoir, nous, d'avoir à transmettre ces différentes connaissances-là. Parce que la tradition, le sens de la tradition, c'est la transmission. Transmission des valeurs, transmission des connaissances, transmission du fait ou de coutume. Monsieur Yao, est-ce que la... Oui. Croyez-vous qu'il y a réticence aujourd'hui de la part des vieux à transmettre le savoir? Est-ce que vous croyez qu'il y a... Oui, mais bien sûr, c'est comme, écoutez, même à l'université, monsieur, vous êtes passé par là. Si vraiment vous voulez que, oui, le professeur vous donne sa connaissance, même que ce soit, j'allais dire, aux arts martiaux, il faudrait qu'il sache que vous êtes digne de lui. Il faudrait qu'il sache que, évidemment, vous n'avez pas juste besoin de sa connaissance, j'allais dire, soit pour le surpasser, ou bien pour aller faire le fanfaron dehors. Mais que, oui, vraiment, vous avez besoin de cette connaissance-là, telle que soit lui l'a apprise, ou bien telle qu'on lui en a enseigné la philosophie. Voilà, donc il y a assez de choses à faire. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'ai la chance, moi, chaque fois que je me retrouve avec des personnes d'un certain âge, j'ai la chance peut-être déjà d'inspirer la confiance, de poser deux, trois questions. C'est vrai que l'école fait qu'on a beaucoup de choses à apprendre à l'école, mais en même temps qu'on apprend à l'école, quand on sort de l'école, il faut demander. Les vieux seront d'autant plus réticents à transmettre qu'ils n'auront pas forcément confiance, mais à partir du moment où ils ont confiance, c'est sûr que ça coule. C'est comme ça. Une parenthèse, donc, est-ce que Ampateba ne voulait pas s'en prendre à certaines coutumes, des tabous qui faisaient de certaines familles dépositrices? Ah oui, bien sûr, voilà, justement, c'est ce que j'allais dire, voilà. Il y a certaines familles, exemple, même chez nous aujourd'hui, par exemple, n'oubliez pas que, par exemple, un chef, on dira que le chef, n'est-ce pas, parce que celui-là, il a été le premier à être venu sur une terre pour parler comme on dit à l'université en droit, le primus inter pares, c'est-à-dire celui qui a créé la communauté, qui lui a donné ses différents codes. Donc, celui-là va dire, moi, j'ai mes informations, je ne les partage pas, soit parce qu'il a peur de perdre des privilèges, soit parce que lui-même, là, il n'est pas tout à fait sûr de ses informations. Mais à partir du moment où on va essayer peut-être soit de codifier ou de mettre de l'ordre là-dedans, c'est sûr que ça passera. Donc, celui qui va aller apprendre, il faudrait qu'il se mette dans la position, j'allais dire, de celui qui va apprendre. Donc, en toute humilité, se faire tout à fait petit, quel que soit son âge et son niveau d'instruction. Et puis, celui aussi qui va traduire, il faudrait qu'il se dise que si je veux pas qu'il y ait rupture de la chaîne des valeurs, de la chaîne d'information entre les générations passées et celles à venir, il faudrait que je sais peut-être de trouver une façon de transmettre la chose. Voilà. Merci. C'est ça. Merci. Voilà. Merci à vous, M. Yao. Excellente journée à vous et à votre famille, sans oublier vos collaborateurs. Diane, un problème qu'il a soulevé, que peut-être Pateba cherchait à soulever, le tabou, certaines familles devaient être détentrices du savoir exclusivement ou dépositaires de ce savoir-là. Alors, dire par exemple qu'il faut consigner désormais le savoir dans des œuvres et tout ça, est-ce qu'on ne venait pas frontalement affronter ces coutumes et ces tabous-là par exemple? J'aimerais d'abord apporter une petite précision. En fait, je n'ai pas dit que
Amadou Ampateba a utilisé le mot vieillard au sens péjoratif. Voilà, vous dites vous-même, c'est vous-même, c'est moi-même, qui... voilà, c'est ça. Voilà. C'est moi qui trouve l'expression péjorative. Mm-hmm. Parce que je préfère à la place patriarche. Pour en venir à votre question. En fait, une connaissance qui est transmise au sein d'une famille de génération en génération, mais ce n'est pas évident qu'on puisse la transmettre à quelqu'un qui vient comme ça du jour au lendemain. On ne connaît pas ses origines, on ne connaît pas ce qu'il en fera usage, mais ce n'est pas évident. Parce que, par exemple, vous avez des connaissances purement africaines qu'on se transmet de famille en famille, ou bien de génération en génération dans une même famille, ce sont des connaissances qui sont à la limite dangereuses. Donc, on les transmet à des personnes, même les jeunes, par exemple, dans une même famille, qui ne sont pas encore initiés, dont on connaît, par exemple, les capacités de maîtrise, on ne leur remet pas ces genres de connaissances. Donc, les consigner dans un livre, ce n'est pas sûr. Moi, je dis que, par exemple, on les appelle en langue arabe l'asrar. Par exemple, l'asrar, ce sont des secrets qu'on consigne peut-être dans le cœur des hommes et non dans du papier. À la limite, même si on trouve, par exemple, un livre par exemple, d'asrar, on peut trouver, par exemple, des indications primaires qui disent que voilà, ça, c'est une connaissance relative, par exemple, à comment on fait pour transformer ceci en cela. Mais il y a quand même des clés qui sont toujours à la disposition des patriarches qui le diront aux initiés s'ils trouvent qu'ils sont capables de les utiliser à bon escient. Donc voilà, je dis que c'est ça justement la transmission d'une connaissance d'un patriarche à un initié. C'est comme ça que ça se passait. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on consigne. D'ailleurs, au début de mon intervention, je disais que, par exemple, les jeunes qui ont eu à intervenir sur le micro-trottoir, ils parlaient, par exemple, de recherches qu'on fait sur Internet. C'est ça. Mais d'accord. Il faut dire que les nouvelles technologies, quand même, ont beaucoup facilité la recherche de la connaissance. Mais il y a certaines choses... On ne pourra jamais les découvrir de cette façon. Sans la chaleur des cordes vocales. Nous allons en Italie retrouver M. Doumbia, qui est intéressé par le sujet. Doumbia, bonjour, bienvenue à Abidjan. Et si on garde les contacts. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, monsieur Doumbia. Vous appelez de quelle ville d'Italie? Moi, j'appelle de Parme. De Parme. Très bien. Alors, votre opinion sur ce sujet-là, est-ce que vous croyez qu'en Afrique, aujourd'hui, un vieillard qui meurt équivaut à une bibliothèque qui brûle? Ben, d'une part oui, d'une part non, parce que aujourd'hui, quand tu regardes un peu dans d'autres pays, je crois, les vieux, ils ont tendance un peu à donner un peu les secrets aux petits, quel que soit comment est-ce que les enfants ils se comportent. Mais par contre, en Afrique, le vieux, il va rester là pendant plus de 50 ans, peut-être que plus de 60 ans. Il ne va même pas donner un ticket minimum à un enfant. Vous lui prêtez cette intention ou c'est ce qui se passe, M. Doumbia? C'est ce qui se passe vraiment? C'est ce qui se passe réellement parce que le vieux, il a tendance à regarder d'abord le comportement de l'enfant. Il a tendance à regarder le comportement de l'enfant en disant que bon, c'est pas moi aussi, je le transmets. Ce que je fais, c'est que je le transmets tout le message ou le savoir. Je ne crois pas qu'il peut suivre les traces. Or, ce sont des erreurs qu'on commet. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des vieillards qui meurent, il n'y a pas de traces. D'accord. Donc, Doumbia. Donc, déjà, chez nous, c'est comme une manque de collaboration entre le vieux et le jeune homme. Donc, Si on voit le sujet de ce point de vue, il s'agit là d'égoïsme, garder le savoir pour soi et soi seul. Voilà, c'est de l'égoïsme. Moi, c'est comme ça que je vois que c'est de l'égoïsme, on ne peut pas transmettre. Alors, vous restez avec nous. Donc, dans un sens, vous dites oui, c'est une bibliothèque qui meurt, qui brûle. Bon, dans l'autre sens, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si une bibliothèque meurt, c'est qu'aujourd'hui,
on n'a plus l'histoire. Mmh. L'histoire de chaque ethnie, l'histoire de chaque Africain. Mmh. Parce que le Vera, lui, il a tout de l'histoire comme la généalogie de toute la famille, c'est-à-dire du premier au dernier. D'un autre côté, il y a le côté mythique aussi. Mmh. Parce que le côté mythique, ça, ça permet aussi de soigner certaines personnes où certains modèles n'arrivent pas là-bas. Mmh. Et, oui. Lorsque le vieillard va vous savoir très plongé dans le modernisme et très loin de la tradition, ce sera difficile pour lui parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir son savoir. Voilà. Ce n'est pas forcément de l'égoïsme aussi. Hein. C'est notre penchant vers le modernisme aussi qui peut expliquer cela. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui un peu dans d'autres côtés, ils écrivent, mais nous, pas encore. Et le culture, on ne peut pas écrire. Donc, ça, c'est une convergence. Quoi. C'est ce que Seydina déplore toujours ici. On connaît plus la culture des autres que notre culture. Donc, notre vieux ou notre vieillard ne nous sommes pas prêts à porter le boubou en sac ou à s'asseoir dans la case durant 4 heures de temps au lieu d'être en nightclub ou garder les masques au village au lieu d'être un bureaucrate en ville. Donc, ce n'est pas forcément de la faute. Avant qu'il n'épate, je voulais lui faire remarquer quelque chose. Si vous l'avez remarqué, en Europe, en Occident, il n'y a que des fusillades dans les lycées et les universités, et c'est des enfants. Mm-hmm. Ces enfants-là, ils ont appris, c'est des choses qu'on les a apprises. Ici, en Afrique, le vieillard n'apprend pas tout aux enfants pour éviter ces genres d'événements. Mm-hmm. C'est pour ça. Voilà, donc, dit que. Vous confirmez ça, Doumbia? Oui. Dit que nos vieux meurent avec les. Voilà, nos vieux meurent. C'est vrai. Donc, ça fait qu'il y a une plus d'évolution. Ah non, bon, ça veut dire que l'Africain a l'intelligence depuis des lustres à préserver ses enfants de ce genre d'événements. C'est pour ça qu'en Afrique, on ne donne pas tout à tout le monde. Moi, je prends un exemple très simple. Moi, mon grand-père maternel était un dozo. Mais oui, non, il n'a jamais voulu d'abord que moi-même je le suive. Moi, c'est Edna particulièrement parce qu'il m'a toujours trouvé rebelle depuis petit. Donc, il a dit non, voilà. Ce que j'ai comme connaissance, je ne donne pas à ce petit parce que demain, ça risque d'être un problème pour lui. Un danger pour lui et les autres. Justement, voilà. Mais par moment, je me rends compte que ce que le vieux a dit est exact, c'est la vérité. Donc, souvent, on tient compte de ton tempérament avant de donner certains savoirs. Donc, il faut que les gens. C'est vrai. Monsieur Doumbia, merci. On dit qu'il ne peut pas. D'accord. Merci Doumbia. On va vous permettre de libérer la ligne, comme ils sont nombreux à vouloir rentrer dans le débat. Je crois qu'il viendra la prochaine fois avec une tenue de dozo. Vous dites quoi? Non, il viendra la prochaine fois avec une tenue de dozo. Non, mais je n'ai rien appris. Je pense qu'il y a deux sortes de relais. Il y a déjà le côté scientifique et le côté historique. Le côté historique, en fait, notre société était tellement bien organisée de telle sorte qu'il y avait des personnes qui étaient destinées à transmettre l'histoire et de connecter les générations. C'était les griots, que je n'aime pas utiliser comme thème. Je préfère qu'on utilise Djeli, parce que griot vient du thème portugais criado, le crieur. Donc, voilà. Donc, les Djeli, ils étaient censés, c'était des professeurs d'histoire. Donc, à chaque fois, un enfant atteint un certain âge de l'adolescence, c'est-à-dire quand il quitte le Blakroya, qui n'est pas une insulte, qui veut dire non initié. Voilà. Quand tu quittes ça, le Djeli, il était là pour te dire d'où tu viens, où tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire. Voilà ce que tes grands-parents, de génération en génération, ont fait. Maintenant, ce relais-là devait être repris par nos grands illustres chercheurs, historiens, qui devaient quand même, dans chaque pays, essayer d'illustrer l'histoire de chaque peuple correctement. Mais on vous dit, par exemple, qu'ils ont des difficultés d'accès. Non. Dans certains endroits, ils ont des difficultés d'accès. Par exemple, si Seydina était un chercheur, son oncle Dozo... Lui a rien laissé. Écoutez, Coca-Cola n'expose pas son brevet sur Internet. Excusez-moi d'utiliser le nom du produit, mais aucune firme n'expose son brevet sur Internet. Parce que le brevet, il est quand même est préservé. Donc, c'est comme ça avec la science. Pourquoi les dozo, par exemple, pourquoi on te dit il y a certaines connaissances, c'est à partir de 40 ans qu'on te transmet ces connaissances-là. Parce qu'elles peuvent être utilisées
de façon positive ou très négative. Tu vois, du coup. Mohamed, est-ce que Ismaël Diop, est-ce que vous ne tenez pas compte de l'évolution du monde? Non, écoute, Monsieur Yaou tout à l'heure, Monsieur Yaou tout à l'heure disait même à l'université, vous voyez encore dans certaines facs, vous voyez un seigneur qui est là tout seul et il est le seul professeur titulaire de telle discipline. Voilà. Alors, à partir de ce moment, si on reste dans ce domaine, c'est pour ça qu'Amadou Ampateba, moi, j'ai regardé cette pensée. Je peux t'arrêter tout de suite. C'est-à-dire, à l'université, par exemple, on ne t'apprend pas, on ne te donne pas la formule de composition, par exemple, d'un médicament qu'on sait que c'est sur le plan commercial, il peut, ou bien on ne t'apprend pas la formule d'une bombe. Voilà, parce qu'on sait que cette bombe-là peut être utilisée à des fins. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle plutôt de la transmission du savoir. À cette époque, il y avait beaucoup de règles, il y avait beaucoup de précautions, mais le monde a beaucoup évolué. Mais le monde a évolué, la responsabilité doit être partagée. Il y a les parents et il y a les enfants. Au moment, les parents doivent, ils ont le devoir de transmettre. Et les enfants ont le devoir de chercher à savoir. Maintenant, ce que je voulais ajouter, ce que Kenda même vient de dire. Et ça sera l'une des dernières interventions. Ce que Kenda vient de dire, normalement, ça ne nous concerne pas. Quand vous dites un professeur à l'université, c'est déjà du modernisme dont tu parles. Donc, si un professeur à l'université refuse de parler son... Un professeur d'université. L'université, oui. À l'université, donc c'est déjà moderne. Mais Amadou Ampateba, voilà. On te dit qu'il a appris dans l'école africaine, c'est-à-dire c'est toutes les formations, parce que l'école africaine, c'est de la manière dont tu vois du CP1 jusqu'à l'université, c'est comme ça l'école africaine est faite. De telle sorte que cette école africaine aujourd'hui, on ne la voit pas quelque part. Mais cette école africaine, on c'est toi, c'est moi. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous. Parce que le canevas s'est creusé parce que nous, on pense qu'on est allé à l'école des Blancs. On est tellement intelligent que ce que nos ancêtres savent, c'est petit. C'est petit par rapport au savoir. Ça existe. Non, on ne va pas chercher. Ça existe. On a dit qu'on n'a pas encore notre école et qu'on souhaiterait avoir notre école. Donc, cette école dont tu parles... oui, bien sûr, si tu viens, je vais te former, donner l'information. Voilà, on va relayer, on va remercier ceux qui sont en ligne. Ils sont nombreux, on a dépassé 300 personnes. On va donner pêle-mêle quelques noms. Amadou Koulibaly, Franck, Hervé, Atta, Carole, qui trouve que l'affirmation est d'actualité. Tout cela trouve que c'est d'actualité. Sylvestre Conan, ce sujet... Et d'actualité, Landry Seka trouve que Amadou Ampateba avait raison. Awa Gada Gueye également, Satou Koulibaly. Ah, c'est votre nièce? Oui. Awa Gada Gueye. Elle dit c'est en se rapprochant de ces vieillards qu'on parvient à mieux connaître ses valeurs. Alors, ces derniers meurent, ils partent avec leur savoir. C'est ça. Ah, c'est votre nièce. C'est où? Elle est au Sénégal actuellement. Donc, pris le site de le Facebook. Oui, on garde les contacts. C'est ça, voilà. Mm-hmm. Donc, je leur ai transmis et ils ont participé. D'accord. Donc, tout juste pour donner leur opinion. Voilà. Donc, voilà. Si c'est possible de prononcer un peu même sur la thèse, là. Mm-hmm. C'est-à-dire que si c'est possible. Hein. Allons-y. Parce que pour moi, je trouve que c'est une des valeurs, la thèse, c'est une des valeurs africaines que Ampateba a voulu dire. C'est les paraboles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bibliothèque, c'est l'éducation, c'est la formation. Mm-hmm. Mais qui éduque? Qui forme. Parce qu'il faut être éduqué pour éduquer. Donc, je pense que si on revient la prochaine fois là-dessus, j'aurai le temps de démontrer que Ampateba veut faire de sorte que les vieillards d'hier étaient bien éduqués par rapport peut-être aux vieillards d'aujourd'hui. Et ça, je suis d'accord avec vous. Donc, voilà. Il n'y a plus de vieillards aujourd'hui. Nous avons 10 secondes. Oui, c'est tout juste pour dire que, en fait, la formule la plus adaptée, selon moi, c'est « Mak matna bachim reo ». Littéralement, c'est du Wolof, littéralement, il dit un vieillard a bien sa place dans la société. C'est Kotchi Barmafal qui disait ça, un sage du Sénégal. Depuis un certain temps, à cause du modernisme, je crois qu'il y a cette transmission, il y a une rupture de transmission. C'est un enfant qui devient un vieillard. S'il est bien éduqué, il sera un bon vieillard. Merci beaucoup. Merci, c'est ici qu'on s'arrête. Remerciements à tous ceux qui nous ont suivis des quatre coins du monde. Cette émission est la vôtre. On se retrouvera demain, 13h15, avec BDFR pour parler des cultures. En Afrique, peut-on vivre décemment de l'art? Vos réactions sont attendues et tous ceux qui sont sur la toile, en tout cas, on vous remercie. Vous êtes nombreux et très nombreux. On a dépassé le cap des 8000 abonnés. Je pense que c'est à saluer.
On se retrouve ici demain. Félicité, tête aux commandes de la réalisation. Salut toute l'équipe technique. À demain. Merci.